tout le monde, c'est Zachary, et bienvenue sur GTA Vice City. Ouais, ça la dernière fois, c'est juste ici, à la concessionnaire, c'était tout Tiki Doo. Alors, à cet épisode-là, je crois qu'on va, ouais, c'est sûr qu'on va t'amener le jeu de GTA Vice City à cet épisode-là, ça qu'est-ce qui va être super magnifico. Sans plus attendre, let's go. Et vous savez, la dernière fois, on était rendu à compléter la liste de véhicules. Et j'ai enfin trouvé les deux véhicules. What the fuck? J'ai enfin trouvé les deux véhicules qui me restaient, qui sont juste ici. Vous voyez, la dernière fois, il restait Idaho et Esperanto à trouver. Et ben, je les ai enfin trouvé. Ça n'aurait pas été la même que j'ai testé. Alors, vous voyez le garage là, je les ai foutu là-dedans. J'allais les chercher hors vidéo. Tu sais que pas longtemps que j'ai fait ma vidéo, je suis allé les chercher. J'ai gardé la vidéo après. Alors ça, j'allais les chercher. Et ben voilà, je les ai foutu dans ce garage là. Donc, ouais. Elle, regardez, c'est juste un test là. Elle, il y en a pas là. C'est juste que j'ai mis un test parce que je voulais pas que le garage fasse disparaître mon véhicule. Alors c'est pour ça que j'ai mis ce véhicule dans ce garage là, hein. Bon, on va garder ça, c'est pas sûr, je vais le prendre là, mais on va garder. Let's go. Ici on a ce véhicule que je n'ai pas testé auparavant. Ce véhicule, il rentre. Alors on va aller le rentrer tout de suite. Et voilà, ouais, il rentre. Je sais pas si quelle marque c'est là, mais voilà, il rentre dans le garage ici, voilà. Donc, c'était la Idaho, donc il reste la Indespanto, et celle qui s'est juste ici. Voilà, l'autre, c'est ce véhicule. Voilà, alors ça, tout ça ratique doux pour la liste des véhicules. Donc, on fait ça. Regardez, ça là est tout le rang. Voilà. On a fini les véhicules, c'était tout tigidou, hein. J'aurais dû chercher encore un petit peu plus, c'était quand même facile à trouver ces véhicules-là. Donc, voilà, on a un téléphone maintenant. Mais le téléphone! Mais le téléphone! Je veux le téléphone, bordel! Je peux pas répondre, d'accord. Ah, c'est bon, mais arrête de monter des trucs, là! Le téléphone a disparu. Puis c'est là que ça se finit. Oh my god, ok. Il va sûrement nous rappeler le petit bonhomme au téléphone. Ah. Voyons, oh, d'accord. On va attendre le coup de téléphone là. Après ça, tout sera tout petit guidou. Ouais. Mais j'étais pas obligé de voir qu'il s'y nous montrait de la concessionnaire. Ah ben voilà. Donc il y a une autre mission à l'imprimerie. Alors on va aller la faire tout de suite. Toi qui a un S, laisse du lit, on va retourner à l'imprimerie. Barre-toi. Fait que Tommy là, pourquoi il dit Tommy? Tommy c'est bon là qu'on contrôle. Ken, pas ça. Ken m'a dit qu'il y a eu un problème à l'imprimerie. Alors il devrait avoir un méchant gros problème là-bas. On va y aller tout de suite. Oh, Bless Doulette. Là, le petit bonhomme qui est à l'imprimerie, là, il doit être dans la merde, ce bonhomme, hein. Et ben, en gros, c'est ça que Ken m'a dit. Alors, il a dit qu'il y avait un problème à l'imprimerie. Alors, il faut y aller tout de suite, hein, quand on est à l'imprimerie. Allez, Bless Doulette, on est de retour à l'imprimerie. Et oh, c'est parti. Bless Doulette, c'est parti. Said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Farello's money. Oh, I feel like crap. Farelli? Sonny Farelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too. Dans la mafia, la mafia attaque des commerces, trouve-les et bute-les. D'accord, oh ce petit bâtard de Sonny, hein. Il va mourir, Sonny, hein. Enfin, en gros, c'est lui qui a causé le problème à l'imprimerie, je crois, hein. Oui. Donc, ça, c'est sûrement les mecs de Sonny, si on peut dire ça comme ça, les hommes de Sonny.
Personne, si vous savez pas c'est qui, c'est le... on l'a juste vu en mon épisode 1, c'est le bonhomme... En tout cas, c'est le petit gros bonhomme, hein. Hop, donc quand on va le buter, ben vous allez sûrement vous rappeler c'est qui Sonny, hein. Lui, moi, là, je veux le buter. Fait qu'il va se mériter, il va avoir une mort souffrante. En faisant, j'espère qu'il va mourir d'une mort souffrante. Fait que cette Sonny-là, il va pas survivre, cette Sonny-là, là. C'est sûr qu'il ne survivra pas. Allez, laisse Bullet là. On va aller buter les hommes de Sonny là. Fait que c'est les hommes de la mafia. Allez, ils sont juste arrêtés juste ici. Ils sont juste là. Et vous allez aller où les gars? Hop, hop. Ah, il est venu ces deux gars là. Donc, il y a d'autres points qui sont apparus. On va aller les buter tout de suite. Oh. C'est parti. Laisse d'où laisser tout tigidou. Ouais. Allez, j'espère qu'ils sont pas trop loin les gars de la mafia. On va les éliminer. Pourquoi ils tournent lui? Mais je comprends pas pourquoi la logique du monde quand ils tournent, mais what the fuck? Ok, let's go. C'est ça qu'il faut, hein. Ok, ils sont juste là-bas. Attends, on va les faire foncer dedans. Hop. Hey, ça vous amuse? Pow. Piano dead. Lui, pas dead. Yo, il est encore pas dead. Il parle toujours vivant. Et... what the... oh, les belles as... qu'est-ce qu'il fout, ce mec? Putain, il sait rien, là, ou quoi? Ok, en fait, attendez que je m'élève. Allez, mourrez tous. Donc, il y a d'autres points qui apparus. On va les rééliminer tout de suite. C'est parti. Let's do it. Ça doit être les derniers, hein, je pense, les autres, là. Il me semble que c'est les derniers, alors on va les éliminer tout de suite, oh. J'espère qu'ils sont pas trop loin. Dans ce que je remarque, ils sont en ligne droite. Ils sont juste là. Attends, on va faire la même chose. Hop. Paf. Oh, il y en a qui ont volé dans la piscine. Ah, l'autre a volé dans la piscine. Pow. Pow. Voilà. Tigidou. Donc, il n'y a plus de mission à l'imprimerie. Donc, oh shit, on va les éliminer. Comme ça, on va attendre un téléphone. Paf et paf. Non, c'est la police. Allez-y, butez-moi, les gars. Paf, c'est bon, allez, butez-moi. Toi aussi, meurs. Allez, c'est parti, là, butez-moi, les gars. Je vais me suicider, là. Hop. Voilà. Ok, je me suis suicidé. Ah, what the fuck, je pense que c'est la police. Donc, ouais, il va être rendu après la dernière mission. Let's go. Ok, c'était Lance. Donc, il y a un V pour Lance pour la dernière mission. Alors, on va aller voir Lance Vince. C'est parti. Non, mais démarre. Aïe, 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 aïe. Vite, Lance là. Il dit qu'on a un gros problème. Parce que pourquoi il dit qu'on a un gros problème? On va buter Sonny. Let's go. Pour la dernière mission, on va aller buter Sonny. Good to good. Parce que lui, là... c'est un petit gamin, hein. Mais il est pas un gamin, là, mais... C'est un sale enfoiré de Sonny. Alors, let's go. Il faut juste aller le buter en vitesse. Comme l'a dit Lance Vince. Ouais, c'est sûrement... au manoir. Je crois que c'est un manoir, là-bas, là. Mais c'est sûrement au manoir, alors on va y aller tout tigidou en vitesse. Ouais, Perino. C'est tigidou, non? Ben oui, c'est tout tigidou. Allez, c'est parti, les gars. Tassez-vous. Wow. Donc, c'est le prochain pont, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le prochain pont. Va falloir qu'on tourne, alors. Wow, c'est juste ici. Allez, on tourne. Bon start, c'est parti, Lance Vince nous attend au manoir. Parce que Lance Vince, ça a l'air qu'il dit qu'il y a un gros problème, alors il va nous aider à habiter Sonny, n'est-ce pas? Fait que gros problème, j'en suis sûr qu'il est Sonny. Sonny là, sans lui, c'est sûr que c'est le gros problème. N'est-ce pas les potos? Allez, c'est bon là, let's do it. Il faut aller voir Lance. Bon, j'arrête pas de dire toujours la même chose. Donc, on est rendu pour la dernière mission du jeu. Alors, c'est parti. Hop, voilà l'argent, tigidou.
Allez, c'est bon, la mission est juste là-bas, là. Let's go. What's going on? Tommy. Oh, good, good, good. Listen, listen, listen. I like fish. I love fish. I love them as pets and balls, or as food on a plate. But as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Hey, shut up, Ken. Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you capped their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine. Ken, you get the first one to counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Tommy! I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They knew hey, Tommy, I was coming, son. Tommy! Watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. You sold us out. I sold you out, Tommy. I sold you out. The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. Oh, le bâtard de Lance. Ok, la mafia essaie de voler ton pognon, défend le coffre. Oh Lance, et sérieux ce mec, pourtant je l'aimais très bien. No way, ok d'accord. Je vois la logique maintenant. Ça veut dire que Lance est en train de nous trahir depuis le début. Mais nous autres on savait même pas. Oh, wow, d'accord. Ça va un petit peu mal pour Lance, hein. Ben, il va mériter de nous trahir depuis le début, cet enfoiré de Lance. Mais tire. Ah. Hop, allez, vous allez tous mourir, la mafia. Vas-y, on en rate là-dedans. Attends, il y a encore du monde derrière. Hop, allez, voilà. En fait, t'as encore beaucoup de monde. Donc, la mafia, c'est le volet. Ouais, ça fait du ça. Donc, voilà, on en rate là-dedans. Oh, shit, t'as encore du monde là-dedans, mais je savais même pas. Hop. Ah, toi meurs aussi. Hop. Il y a encore du monde derrière, mais il y en a bien trop du monde. Je comprends pas pourquoi des fois, ils tirent pas des fois, je comprends pas. Oh, il tire pas des fois. Oh boys, il me reste du vie, les boys. No one to cover your ass now, hey Tommy. You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Va tuer Lance Vince le traître et merci pour donner toute ma vie. Donc va tuer Lance Vince le traître, ouais. Eh ben merci d'avoir donné toute ma vie, même quand c'est juste du vie. Ben d'accord, j'apprécie bien ce jeu qui me redonne toute ma vie, même je l'ai pas balle. Ouais, mais ils sont bien généreux, ces mecs. Donc, emmène-toi, Lance. C'est parti, tu vas mourir, Lance Vince. Non, mais tue-le. Ouh, let's go. Vite, Lance. Vite, faut aller le tuer. Je veux pas que nous en trahis. Hop. Oh, what the fuck. C'est bon, il est parti sûrement sur le toit. Hein. Hop. Ouais, je crois qu'il est parti sur le toit. T'as pas capé, y'a rien? Ah, mon jeu doit bugger. Mon jeu doit bugger, hein. Ouais, il doit bugger mon jeu. Alright, d'accord. La mafia te vole ton pognon, défend le coffre. Je comprends pas là, mon jeu bug.
Attends, non, non, y a un bug avec Utah V-City, là. Attends, on va retourner au coffre, là. Je comprends pas, mais des fois, le jeu bug, c'est de fou. Oh my god, j'aurais jamais pensé que Utah V-City allait bugger tant. My Lord Jesus. Ça, c'est vraiment pas un bon signe que mon jeu bug, hein. Attends, on va tenter de retourner au coffre, là. 10 minutes. T'es là, en fait, t'as du monde, là. Ah, voilà. Attends, il y avait du monde ici. Ici, voilà. Oh shit, t'as encore du monde là-haut. Il y a du monde là-haut. Oh, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Attends, maintenant, maintenant, on va retourner sur le coup. Oh, hop, hop. Ok, maintenant. On va être Tigidou. Ok, là, il y a du monde qui revient d'ici. Donc, ça devrait être Tigidou maintenant. L'ins devrait être rendu sur le toit, n'est-ce pas? Sinon, on va se rendre couper les dos. C'est pas là. Besoin qu'on serait amusant. Mais hors vidéo, d'accord? Sinon, parce que là. La mission, elle est foutue, sinon, hein? Il n'y a personne sur le toit, il serait bizarre d'avoir du monde. Ah, oh, là, en tout cas, il y a du monde, donc ça devrait être Tigidou, hein. Non! Il n'y a toujours rien. Ok, les potos, nous sommes de retour ici. Donc, c'est écrit va tuer l'ins du 20 sur Trite. On était rendu là tantôt. J'ai dû recommencer la mission qui là était vraiment buggée. Mais là, j'ai vu l'ins du 20 là-bas, donc ça aurait pu bugger, n'est-ce pas? Donc, hop, pow! Fo, ho, ho. J'espère en fait ça buggera plus que là, là, le jeu bug, j'ai mon père chien des fois. C'est vraiment bizarre là, mais bon, en tout cas, les potes, ne vous avez pas là. On va l'avoir. Parce que maintenant, on a beaucoup de vie. Paf! Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il croyait faire ce bonhomme? Mais hé hé. Ce bonhomme, il y a du monde sur le toit. Hop, hop, hop. Vas-y, connasse, on va tuer, on va tuer, on va tuer. Coli, c'est lui comme tu ou quoi? Oh. D'accord, l'ins du 20, ça a failli me buter, hein. Donc, t'as choisi le mauvais camp, l'ins. D'accord, en fait, c'est ça que ce qu'il disait, en fait. C'est pas en tout cas. Là, doulette, on va retourner au coffre, que là, on a buté l'ins du 20. Il reste plus que Sonny à les buter. Alors, c'est parti. On va buter ce petit Sonny. Qu'est-ce qu'il croit faire, ce Sonny, n'est-ce pas? Il va mourir d'une mort soufflante. Alright. Pau, pau, pau. Allez, moi là j'ai sonné à l'épité, faites barrez-vous de mon chemin. You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys, he never. L'heure de l'épité, laisse douler, c'est lui. Et voilà. Et toi aussi meurs. Donc, ok, c'est bon. Donc, j'ai buté Sonny. Tommy? Oh my god, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit. And Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Cause there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? Donc, on a fini GTA V City. C'était super tout Tigidou. Tout Tigidou. Donc, je sais pas si on va passer les écritures de la fin. C'est ça, ah, d'accord. Donc, wow, d'accord. Pas une coup d'argent qu'on a gagné. Donc, ouais, c'était super. C'était vraiment super tout Tigidou comme GTA, hein, quand même. Même s'il y avait plein de bugs, ces états-là étaient quand même tout Tigidou, hein. Donc voilà, j'ai regardé, donc... ouais, donc, le prochain coup,
Ouais, je crois que le prochain coup, j'avais cancé l'autre chose. Attends, il y a un téléphone, on va l'écouter, let's go. D'accord, c'était Polo. Ouais, c'était Polo. Donc, ouais, ça, je crois qu'en prochain épisode, je vais commencer. Prochaine vidéo, je crois que je vais commencer d'autres trucs. On a quoi? Ça a pas pris beaucoup de temps faire ce résultat-là. Il y a beaucoup moins d'épisodes que j'étais à Sandras, lui, il y a 27 épisodes. Ceci, je crois que c'était ça, il y en a 14. Mais écoutez, c'était quand même court. Et un autre appel? Tout le monde s'ennuie? Hey, Thomas, it's Cortez. Que passa? Things are interesting. How are you, my friend? I wanted to ask you about Mercedes. Okay, what about her? Oh, Tommy, I hear these stories, all these stories. I don't know what to think. Maybe she thinks she could do what she likes. But Tommy, tell me, is it true? Is what true? These stories I hear. She really going to be a lawyer. Tommy, the shame. The shame. You know, we Cortez are a proud family. We would never allow a daughter of ours to become a lawyer. Please, tell me if it isn't so. I don't think I could take it. Oh, Colonel. I can assure you, Mercedes is never going to become a lawyer. Don't worry about it. Oh, thank you, Tommy. Tommy, thank you. The shame would be unbearable. Anyway, Tommy, you must excuse me, all right? The new Minister of Interior has arrived. Many years ago, I killed his father in a failed coup, so I must be polite. Hey, good day, amigo. Ok, lui ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, c'était Colonel, le bonhomme du bateau. Donc, tout le monde s'ennuie, je sais pas s'il va y avoir un autre appel là, mais si un autre appel, on va attendre. Juste un tout petit peu, là, je sais vraiment pas, donc, 124 minutes présentement, mais vu que les vidéos que j'ai faites, ça va être un petit peu moins que 24 minutes là, mais bon, il y a un petit bonhomme là, il y a des gens. Qu'est-ce qu'il fout de moi? Where are we? Tommy Facetti. How's it going, Mr. Big Shot? I hear all these things about you, some kind of player in town now, eh? Paul, you're drunk. No, you should be probably drunk. Oh yeah, a couple, and some treats. I've been a bit of a couple of times, you know? Anyway, don't give me that, I ain't a mug. Who set you up in this town? Oh, me, that's who. Really? Don't give me that, don't. I introduced you to people, I showed you the ropes. There's a lot of stuff for you, and this is how you repay me. You ignore me. You won't give me a way in, or after all I did for you. What do you think, I am a devil, sonny? Paul, take it easy. I've been busy. Don't be an idiot. I ain't no idiot, Moose. That's what I said in Ballstall. You ask him the trouble, son, because you're going to get it. Tommy, mate, please. Use me, big O, please. Don't laugh at me. Paul, get some sleep, seriously. J'espère que c'est pas Tommy qui a posé cette photo. D'accord. J'espère que vous n'avez rien vu. En tout cas, j'espère savoir un autre appel que tout le monde s'ennuie. Je comprends pas. Hein. Je devrais attendre un petit peu. C'est un autre appel. Là. J'ai eu trois appels, mais Paul m'a appelé deux fois d'affilée. Hey, ce Paul-là s'ennuie de moi. Hein. Et Colonel nous a appelé juste une fois. ouais, c'est quoi que je vais retourner sur Godet, peut pas que les rappels, ben, en tout cas, c'est pas sûr que je vais retoucher à ce compte-là, là, parce que là, on a tout fini, l'émission, et bon, il y a l'émission téléphonique, là, mais, l'émission de téléphone, mais ça, c'est pas tout goût de faire l'émission de téléphone, mais, bon, en tout cas, les boys, on va s'arrêter ici, on va se retrouver pour une prochaine vidéo sur un autre jeu. Bye bye!